Coucou tout le monde, donc me revoici dans cette vidéo et pour changer, puisque ça fait longtemps, je participe au concours de Romain, donc le film auteur, vite fait, donc c'est un petit concours, hein, il n'y a pas vraiment de trucs à gagner, donc c'est des gemmes, enfin voilà quoi, des trucs de genre là, et bon, c'est juste pour le plaisir de participer. Donc voilà, alors il y avait 4 thèmes. Donc voilà, alors je vais faire un peu dans le désordre. Hein. Donc il me semblait qu'il y avait un thème où c'était 3 couleurs. Donc en fait, je vais utiliser ce macaron. Enfin, je présente ce petit donut, pardon. Blanc, chocolat et la pâte à gâteau en fait. Donc voilà, ça fait 3 couleurs. Je ne savais pas trop quoi présenter. Donc, voilà, donc c'est un truc tout simple. Mais d'ailleurs, ça, c'est la poudre que j'ai testée. Et vous voyez que ça fait bien, ça fait un super bel effet. Enfin, je kiffe. Donc la poudre avec un peu de chantilly. Et le coulis aussi de la petite épicerie, d'ailleurs. Donc voilà, donc je présente ce donut pour le thème 3 couleurs. Après, il fallait un gâteau, je crois, gourmandise, tout ça. Donc en fait, c'est une paire de boucles d'oreilles granola. Voilà, je vous en manque qu'une seule, hein. Avec un petit peu de chantilly. Donc voilà. Avec la couleur chocolat. Oups, pardon. Et ocre. Parce qu'en fait, là, je suis un peu à contre-jour. Bref. Donc voilà, je présente mes boucles d'oreilles granola pour le thème gourmandise. Ensuite, il fallait un thème, un macaron original. Je crois, macaron original. Donc du coup je présente mon dernier macaron et je dois dire c'est mon chouchou de la cuisson, en fait c'est mon bijou préféré de ma cuisson. Donc voilà, parce que j'ai toujours un bijou préféré quand je fais une cuisson. Donc voilà, c'est un macaron avec des framboises, donc couleur lavande et les framboises rouge cerise, avec de la chantilly et même au-dessus. Donc voilà, et c'est une bague quoi, tout simple. Voilà, et perso, je l'adore parce que c'est le premier test que je fais macaron comme ça. Et je dois vous l'avouer, elle me plaît pas mal du tout. Enfin voilà, donc ce macaron. Et ensuite, il fallait une ou plusieurs créations avec lesquelles on pense gagner. Donc en fait, création au choix, quoi. Et pour ma part, ce sera plusieurs. Enfin, ce sera trois parce qu'en fait, je savais pas du tout quoi choisir. En fait, pour les thèmes, ça va, mais quand c'est création au choix, quand c'est libre choix, en fait, carte blanche. Oh. Voilà. Donc, d'abord, cette petite bague. Donc, c'est ma bague chocolat. Ça, je l'aimais bien, donc j'ai fait de la déco. Hein. Voilà quoi, je l'aimais bien. Voilà, ma petite bague. Donc voilà pour la première création de ce thème. La deuxième, j'ai choisi ce petit lapin-là. Oui, parce que j'avais hésité, c'était soit lui, soit le nounours. Et le nounours, j'avais déjà présenté pour un concours. Donc voilà, donc je présente mon petit lapin sur sa lollipop. Mon deuxième bijou, qui est un peu ma signature, quoi. C'est les deux, le nounours et ceux-là, c'est un peu mes signatures, je trouve. Enfin, c'est vraiment mon truc personnel, en gros. Voilà, le petit nounours sur sa lollipop en sautoir, bon, ça, on s'en fout, c'est la création. Hein. Enfin voilà, et la troisième création pour ce thème, c'est dans mes derniers colliers. Il y en a qui ont été curieux, qui ont d'abord été voir sur le site. Donc vous allez avoir ça dans la prochaine vidéo en fait. C'est un petit bonhomme en pain d'épices que j'ai fait entièrement à la main. Voilà, d'ailleurs que j'ai bien galéré à le faire. Donc c'est mon tout premier bonhomme, on va dire. Oh, on voit les traces de scalpel. Enfin bref, c'est mon tout premier bonhomme en pain d'épices, donc aussi en sautoir. On s'en fout aussi. Voilà, avec un petit biscuit normal, avec un petit nœud Vichy rouge. Mais bon, c'est surtout le truc en fimo qui compte. Pas vraiment la déco. Donc voilà, donc je présente ça, ces deux colliers. Et la bague pour les créations au choix. Ça pour le macaron. Ça pour les trois couleurs. Et mes boucles d'oreilles granola pour les gâteaux.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle aura pas été trop longue. Bon, 5 minutes, ça fait partie dans les temps records, on va dire. Bon, bah voilà, et à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!